And amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. My dear brothers and sisters, would you now join me to welcome our speaker, Dr. John Plea. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Pour parler des charismes et de la guérison, nous commençons par rendre grâce à Dieu qui a donné à son Église une nouvelle Pentecôte d'amour pour montrer qu'aujourd'hui Jésus passe encore en faisant le bien, en guérissant. Dans la floraison des charismes qui a fait nommer ce renouveau dans l'esprit, renouveau charismatique, ce sont les signes de guérison et la joyeuse exultation des assemblées de prière qui ont le plus frappé les foules et suscité des réactions. Et pourtant, la finalité des dons de guérison n'est pas la guérison en soi, mais l'annonce de Jésus-Christ. Rappelons donc, en 4 points, à travers l'expérience des charismes depuis les années 70, la place de la guérison dans le plan de Dieu, la relation entre les dons de guérison et les autres dons spirituels, la mise en œuvre des charismes de guérison, enfin, les exigences du ministère de guérison. 1. La guérison vient de Dieu. C'est Dieu qui guérit de toute maladie. La guérison divine étant un don de l'amour miséricordieux, tout chrétien qui a reçu l'amour de Dieu par le Saint-Esprit qui lui a été donné, Romains 5:5, peut être appelé à prier pour une guérison, comme Saint Jacques nous y invite dans son épître. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Et il peut également prier sur lui-même pour sa propre guérison. Jésus incarne pour nous la bonté de Dieu et sa compassion. C'est dans les blessures de Jésus que nous trouvons la guérison. Isaïe 53:5, la guérison totale de notre être. Guérison intérieure, c'est-à-dire celle des traumatismes dus au manque d'amour et des blessures psycho-affectives. Guérison physique, touchant les maladies du corps. Guérison spirituelle, conduisant à la conversion, à la réconciliation avec les autres, avec soi-même et avec Dieu, à la libération de certaines obsessions ou liens occultes, enfin à la délivrance démoniaque.